Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en rivière. Voilà, c'est le printemps, il fait beau. Et en plus, regardez ça, j'ai de la compagnie. Eh oui, c'est un signe. J'espère que c'est le signe que la partie de pêche va bien se passer. Je vais vous expliquer un petit peu mon approche. C'est un peu particulier parce que on est vraiment au tout début du printemps et difficile de savoir où sont les poissons. Allez, je m'installe et on regarde ça ensemble. Alors définitivement, il semble que ce soit le coup au large qui donne les meilleurs résultats. Je viens de faire une série de poissons, c'est assez exceptionnel, les touches arrivent rapidement. C'est vraiment chouette. Donc je vais me focaliser sur ce coup à 50 mètres et continuer à prendre les poissons quand ils arrivent. Bon, cette fois-ci, j'ai attendu 4 minutes la touche. Et voilà une belle brème qui s'avance. Voilà, je travaille en douceur quand même parce que là je sais qu'elle va passer au-dessus de la fosse du coup et voilà, faudrait pas la laisser descendre dans trop de profondeur. Voilà, elle s'approche. Voilà, encore un très joli poisson. Voilà. Peut-être un petit peu plus petite que les autres, un bas de ligne de 80 cm, ça suffit pour bien attendre la touche. Je vais vous présenter ce poisson. Voilà, magnifique brème. Alors la bonne hèche finalement, c'est de mettre 3 ou 4 gauzeurs vivants. Voilà, ça permet déjà de prendre que les beaux gardons et puis aussi de bien laisser poser son hameçon et d'attendre la touche des brèmes. Alors quand le gardon tape dans l'èche, soit il se ferre tout seul et je le ramène, soit en fonction de l'ampleur de la touche, je peux laisser pêcher, ne pas le ferrer, pour justement attendre une touche de brème. Encore un très gros poisson. Voilà, c'est incroyable, hein, la taille des gardons ici. Magnifique poisson, hein. Magnifique, sublime. L'avantage de pêcher avec une grosse sèche et un gros hameçon, c'est qu'on trie la taille des poissons. Et vraiment en pêchant à 50 mètres, c'est indispensable parce que vu la distance, si on devait ramener que des petits gardons, ce serait pas très rentable. On va repartir. Voilà, ça c'est un bon lancer, bien précis. Quel plaisir déjà d'être dans ce type de plan d'eau, de pouvoir pratiquer ce type de rivière. Vu les conditions, de prendre autant de poissons, c'est vraiment génial, quoi. Alors toujours pareil, hein, bas de ligne 80 cm, hameçon de 14, bas de ligne de 14 centièmes en fluorocarbone et 3 ou 4 gauzeurs à l'hameçon. Ouais, encore une belle brème. Ça c'est top. Voilà. Ah, c'est le pied. On va déjà se contenter de ça, hein. Je trouve que avec le soleil, les poissons, c'est vraiment la journée parfaite. Ouais, toujours sur le coup à 50 mètres, hein, l'endroit où se trouvent les poissons, donc dans cette faible profondeur, c'est vraiment
l'option gagnante de la journée, quoi. L'idée de faire deux coups, je pense que c'était vraiment la bonne solution pour les trouver et pas perdre trop de temps et pas faire de bêtises. Allez, c'est reparti. Trois gauzeurs. Ah, la pêche au feeder, c'est vraiment génial. On fait plein de poissons et puis c'est facile, franchement. Ouais, elles sont pas énormes aujourd'hui. C'est pas les plus grosses du plan d'eau, mais voilà, superbe. Super, les poissons vraiment en superbe condition, il manque pas une écaille. Ah, magnifique, magnifique. En fait, là, il faudrait que je mange. C'est l'heure, j'ai faim. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Voilà. Je viens de faire un poisson magnifique. Un superbe poisson. Je vais vous montrer ça. Là, voilà. Un gardon. Un vrai papa. Regardez ça. Il est énorme. On voit qu'ils sont prêts à rentrer dans la fraie, il est bien large, il a un ventre énorme, superbe, un superbe gardon. Ça, ça fait plaisir. Et puis je vous raconte pas la touche qu'il m'a fait. J'ai cru que la canne partait à l'eau, tellement c'était violent, on aurait dit une touche de carpe. Série continue, je vais vous montrer Big Mama. Bon, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est la première sortie qui se passe aussi bien cette année. Allez, donc encore une fois, hein, seulement 3 gauzeurs à la meçon. C'est vraiment ce qui marche aujourd'hui. Voilà, le coup, 50 mètres, hein, des feeders de 30 grammes. Voilà, superbe, superbe poisson, magnifique. Bon, j'ai vu un cygne. J'ai vu un cygne sur mon coup à 25 mètres. Donc je vais reprendre ma canne de 3,30 m et je vais aller voir ce qui s'y passe. J'ai vu un poisson sauter, pile poil là où j'ai amorcé tout à l'heure. Donc je vais aller voir si les poissons sont arrivés. Je laisse pêcher ma canne au loin, je vais la ramener. Je prends la canne de 3 mètres et puis on regarde ça. C'est toujours compliqué quand on a deux coups à gérer. On est souvent tenté d'alterner ou de changer rapidement. Voilà. Il faut quand même être raisonnable. Et à un moment donné, là, je veux juste voir s'il y a des poissons à prendre sur le coup à 25. Mais voilà, la priorité, c'est quand même de sortir les poissons qui sont à 50 mètres. J'ai quand même un bon rythme pour la saison. C'est vraiment une très très belle pêche que je suis en train de réaliser. Donc il n'y a pas de raison que j'abandonne le coup au loin. Mais je veux juste vérifier si les poissons sont arrivés plus près. Bon, j'avais volontairement décalé les deux coups parce que j'avais repéré ce matin en sondant que la profondeur était importante juste en face de moi et je voulais quand même être un peu sur la remontée, donc je me suis décalé sur la droite de façon à trouver non pas 8 mètres mais plutôt 6,50 m de fond. Ah. Là aussi. Ah, c'est une brème. C'est incroyable. Là, je suis obligé de vraiment la treuiller pour la faire sortir de la fosse. Ah, les poissons sont partout. Et les poissons sont partout. Oh là. Par contre là,
dirait bien que c'est une très très grosse. Waouh. Ouais. Très beau poisson. Très belle brume. Magnifique. Ah, ce lac est extraordinaire. Extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Elle est remontée très vite et j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout aimé ça. Vous allez voir cette brème, comment elle est énorme. Waouh! Extraordinaire, extraordinaire. Ah, quelle journée magnifique. On dirait bien que les grosses brèmes sont plutôt dans les grands fonds. Oh, regardez ce poisson. Magnifique. Magnifique. Elle est vraiment énorme. Superbe, superbe. Regardez ça. Il manque pas une écaille. Vraiment un poisson sublime. Je pense qu'elle était sur le coup en train de m'attendre depuis un petit moment. Voilà, bah écoutez, les deux coups marchent, hein, 25 ou 50 mètres, ça fonctionne. Les poissons sont arrivés en premier à 50 mètres. Mais il semblerait qu'ils soient aussi à 25 mètres. Alors du coup, pour voir un petit peu la démonstration, voir si les poissons sont plus gros, je vais continuer à 25 et puis on va voir. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit peu le point sur cette journée. Donc j'avais prévu de faire deux coups, justement ne sachant pas trop où se trouvaient les poissons, s'ils étaient plutôt dans la fosse profonde ou plutôt sur la berge opposée, dans le pas profond, on va dire. Donc j'ai fait un coup à 25 mètres, dans environ 7 mètres de profondeur. Donc c'était vraiment très profond par rapport à la distance. Et de l'autre côté, j'ai fait un coup à 50 mètres dans une profondeur qui devait être d'environ, on va dire, 3,50 m. Ce qui s'est passé, j'ai amorcé copieusement les deux coups, 25 et 50 mètres. Donc j'ai vraiment mis beaucoup d'amorces, pas mal d'âches pour la saison quand même. Après, je suis tout seul, donc je peux me le permettre. Ensuite, j'ai commencé à pêcher à 25 mètres. Là, j'ai vu que les poissons ne répondaient pas. Pendant une heure, j'ai pas eu de touche. Donc ensuite, je suis parti à 50 mètres. Là, j'ai eu une touche de suite de brème. Pratiquement, sur le premier lancé, j'ai eu une touche de brème. Donc ensuite, j'ai continué à 50 mètres. Et c'était vraiment une super. Il y avait un bon rythme avec plein de gardons, des brèmes. C'était vraiment une très, très belle pêche. Par la suite, ce que j'ai vu, c'est qu'un poisson a sauté sur mon cou à 25 mètres. Alors là, je suis revenu au bord pour voir, en me disant, il y a peut-être des poissons qui sont arrivés. Je voulais juste vérifier si les poissons étaient aussi présents à 25 mètres. Sachant que déjà, le coup au large était pour moi suffisamment rentable. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé des brèmes énormes, des grosses, voilà, entre plus de 2 kg à chaque coup de ligne. J'en ai fait 4 ou 5. Je pense qu'elles y sont encore, je pourrais encore en faire si je n'étais pas en train de vous parler. La pêche a été vraiment magnifique. Ces gros poissons ont mis plus de temps à arriver, mais se sont cantonnés dans la zone profonde. Alors qu'en face, j'avais vraiment beaucoup de touches, des gardons, des brèmes, mais les poissons étaient plus petits. Je vais vous montrer comment je fais pour trouver ces profondeurs. Donc tout simplement, j'utilise un plomb d'arlesé, voilà, sur ma canne, et je fais des lancers successifs à plusieurs distances et je compte le nombre de secondes que met ce plomb à arriver au fond. Ça me permet d'avoir un indice de comparaison et de savoir où se trouvent les zones profondes et où se trouvent les zones moins profondes. Par expérience, on arrive à déterminer à peu près quelle est la profondeur en mètres par rapport aux secondes que met ce plomb à descendre. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise ce type de plomb grappin, donc ça c'est un plomb de carpiste, donc vous voyez avec des ergots assez prononcés. J'ai une canne à carpe sur laquelle je monte ce plomb grappin et je regarde la nature du fond, voir s'il n'y a pas trop d'accrocs, voir si c'est un fond caillouteux, si c'est plutôt des végétaux. Donc ce plomb me permet de déterminer la nature du fond.
Ensuite, pour le coup, à 50 mètres, j'ai utilisé ces feeders. Donc, le feeder exchange distance, 40 grammes. Donc, un feeder assez gros. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire des petites bouchées. Les poissons étaient assez beaux et bien présents. Pour le coup, au près, j'ai utilisé une cage feeder plus conventionnelle, donc une cage en plastique de 40 grammes, qui m'a permis, elle, de bien amener. Elle est aussi très très grosse, donc j'ai bien chargé en hêche et en amorce. Donc au niveau de la canne, pour le coup, au près, j'ai utilisé l'Aventus en 3,30 m, qui est vraiment une canne très adaptée pour les pêches de beaux poissons, un moulinet taille 4000, de la tresse et une arrachée en 30 centièmes. Pour le coup, au large, j'ai utilisé donc l'Aventus en 13 pieds. Donc c'est une canne bien plus puissante qui m'a permis de bien lutter contre le vent. Il y avait aussi du courant, c'était puis pour sortir ces beaux poissons, c'était vraiment une bonne canne pour faire ça aujourd'hui. Le moulinet, donc c'est un moulinet, donc c'est le TDR Distance d'Iowa. Donc là, pareil, rempli en 13 de 10 centièmes avec une arrachée donc en 30 centièmes. Au niveau des sions, j'ai utilisé un sion de 3 hauses en carbone sur la canne de 13 pieds et un sion de 2 hauses en fibre de verre sur la canne de 3,30 m. Ça m'a permis, surtout le sion en fibre de verre pour la pêche au pré, ça m'a permis quand même d'avoir une bonne détection des touches parce qu'elles étaient assez fines. Et puis avec la profondeur, c'est jamais évident de voir les touches. Côté hameçon, juste, voilà, bah écoutez, les gourous LWGF, qui sont des super hameçons pour pêcher les brèmes et la rivière. Donc en 14, donc en fluorocarbone sur et taille 14 les hameçons. Voilà, on a fait le tour de l'équipement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris l'intérêt de faire deux coups, surtout à cette saison, en début de saison. Il a fait un super temps, c'était vraiment une journée magnifique, géniale, avec plein de poissons. Ça, c'est vraiment le top. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Tackle Gourou France, d'autres vidéos de ce type suivront. Si vous avez des questions par rapport à mon approche, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo, moi je viendrai y répondre, et tout ça pour vous aider à devenir de meilleurs pêcheurs. Allez, à la prochaine! Bon, je vais vous montrer, il était temps que ça s'arrête parce que le niveau du lac est en train de vraiment monter. Donc regardez la station, elle est complètement recouverte d'eau. Bon, voilà. J'aurais pu reculer un peu, mais il est temps de partir. Toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, à la prochaine. Il est vraiment superbe, c'est magnifique.